Combien voilà? Monsieur, prenez-moi une photo parce qu'à l'année prochaine, je suis pas là. Mais il faut que ça soit doré à point. Ah oui, oui. Je répète, mais... De quoi? Oui, oui, oui. Ça vient, est vachement dur. Voilà, tous les bons. Bon, mais le principe est très simple. On part d'un moteur très lent. Le clou de l'appareil, c'est surtout le renvoi qu'il faut voir. L'ordre n'a pas le secret. Et ensuite, ce sont plusieurs paliers avec des pédaliers de vélo. Donc, il faut déjà trouver tous les vélos, les découper, tout préparer. Ensuite, un pédalier entraîne dans l'autre. On peut faire cuire autant de jambon que l'on veut. C'est bon. Tout ça, c'est le fruit de Jacques et puis de moi-même. Hein. On a galéré pendant presque 2 ans pour le mettre au point, mais ça y est, c'est au point, apparemment. Apparemment, on vous le dira ce soir, si on boit le champagne. Le champagne. Non, si, ça va. Bon, il a dit tout ce qu'il avait dit. Ça prend un reste là. Ne le tienne pas, regarde. Le tas qu'on a mis tout à l'heure. Là, vous avez le meilleur cuisinier de toute la région. Vous pouvez me prendre en photo. Vous ne le verrez pas demain. Ah oui, parce que c'est ma dernière année. Je ne travaille plus parce que j'ai 80 ans la semaine prochaine. Oh, mais mon anniversaire. Je ne les fais pas, hein. Non, vous ne faites pas. Ah, c'est les cheveux. Pourquoi? Parce que quand je suis né. Vous savez pourquoi je suis plus dégourdi que les autres? Parce que quand je suis né, j'avais 5 ans. Comme on est? Alors j'ai 5 ans d'avance. Eh ouais. Mais non. Occupe-toi tes oignons. C'est moi qui l'ai fait. C'est vrai, c'est toi? Bien sûr. Ah, si c'est toi, j'en veux. Ah bah oui, mais faut un tire-bouchon alors. Est-ce que je vous dis Mariage.
pas mal de les filles, il faut pas mal de les... Elle a tout la même costume, c'est un objet. Il est du coup tout à l'heure. C'est à toi, hein? Mais bien sûr. Vous voyez que ça se passe bien. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est la boîte qu'on est donnée, là. On n'est pas encore costumé. Voilà. Je vais mettre de... Et à l'entrée, il manque le piquet là, pour vous lever les bords comme ça. Là. Il n'y a pas de piquet. Mais c'est celui qui, celui qui fait la frappe de mon nez. Ah oui, mais moi je m'occupe des costumes. Bon, tu veux que je le dise, hein. Ah mais oui, qu'il nous ouvre au moins une tente. J'ai laissé mes deux gamins, mais la tente est fermée. C'est ça. Pas mieux, hein. Il vaut mieux le prévoir. Et là, maintenant, je m'arrange le fourgon. Je vais me costumer pour être beau. Moi aussi, je vais y aller. Va te costumer aussi. Il va être loupé encore. Jean-Marie, vous n'avez pas compris. C'est lundi matin, je crois. C'est une part en grand bonheur, ça. Ça ne me gêne pas, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait en plus de ça, en faire faire certains, pour ceux qui le souhaitent, pour qu'ils se le retrouvent. Ouais, Enlevez vos lunettes, déjà. Allez, j'enlève mes lunettes. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est pas du tout pour faire ça. Non, 5 ans, ça, je dis moi, je prends 5 ans. Il faut faire sa réception. C'est fait. Il est 5 ans. À la tienne. Il s'appelle, c'est ma famille. À la voir, on va rater à la prison. Nous, on reste là, de toute façon. Pareil. Alors, Stéphanie, ça va, attention. Ah, mais comment ils font? Il y a la tête. Tiens, Léon. Allez vite. C'est ce que je cherchais à faire, mais bon. On a loupé là. Allez, on le fait. Attends, tu te prêtes un peu pour la caméra. Allez. Non. On a coupé tout le monde. On va avoir la cassette à la maison. Excuse-moi. Elle a du petit plomb. Et tu regardes ça, tu risques rien de là. Elle ne passe plus à Palombe là. Tu passes derrière. Ça va. On ne pourra pas dans la barre. C'est à toi. Hein. Au château.
au revoir, messieurs. Après, on le dit. Tu vas là-dedans. Voilà. Voilà, le travail. Qui l'a ramené à sa mère? Je ne pouvais plus la voir. Gambas. Ah. Trop tard. Ah bon? Oui, je dois voir. Non, je suis en train de le faire. Oui, mais moi j'aimerais voir. Hein. Oui. Oui, ça se fait aussi. Là, l'église. À l'église. Bon, alors, pour nous, on y va. Ils sont réceptifs. C'est pas pareil. Si ça avait été comme ça depuis hier, c'est une avance. On a la banane. À l'expérience. Pour la deuxième fois. Oui, on a vu. Mais bon, oui. Chaque coup, il a fait. Ah ouais. Ah, ah, oui. Ah oui, oui, on a vu. Ta mère, vous avez enlevé les lunettes. Oh non. À l'expérience. Pour la deuxième fois. Oui. Mais bon, oui. Chaque coup, il a fait. Ah ouais. Ah oui, oui, on a vu. Mais alors, il était dans le sur la moteur musique. Je sais pas si c'est bien le moment là. On dirait le grand mufti qui arrive de. Ah, sérieux. D'Istanbul. Et là, le serpent tout le face, c'est ça. Donc, ah oui. Aujourd'hui, ça va encore, c'est bon. Là. Là, c'est Chanel, t'as un compte un petit peu. Hey, c'est moi le garçon d'honneur, ben toi. Là. Tu es devant toi, je sais. Ah, ah, ouais. Oh, après, il y a. C'est incroyable. Le monde est magnifique. Il y a... Non, mais attends, on attend les archers. Ils arrivent. Ah, mais avec qui, hein? Hein? Tu dis, elle a pris. Mais on se l'a rentré. Ah non, non, elle est restée là. Thank you.
l'Assemblée. Nous sommes réunis séants en ce jour de l'an de grâce 1461 pour consacrer épousailles de Gaston de Foix, prince de Vianne, vicomte de Castelbon, fils d'Éléonore d'Aragon et de Gaston IV de Foix-Grailly, père du royaume de France, lieutenant de l'armée du roi en Guyenne, et de Madeleine de France, sœur de notre beau roi Louis le XIe, libérateur de la Guyenne du joug anglois. Ces épousailles renforceront le lien déjà solide qui marque l'attachement de la Guyenne à la couronne de France et récompenseront dévouement et loyauté que le comte de Foix a toujours montré envers notre bon roi Louis le XIe. Ces épousailles seront célébrées par moi-même, Bernard Guy, inquisiteur du Toulousain et comte de Lodève. Bon sujet du royaume, faites bon et bel accueil à votre souverain Louis le XIe. Pour Louis, au viva! Viva! Mais à vous de dire quelques mots à votre peuple. Faites silence! Mes bons et loyaux sujets, vous me voyez bien heureux d'être séant parmi vous. Mais j'ai beaucoup de foi, de oui, jouis de votre fidélité aux lys de France et à l'amitié que vous m'avez portée. En foi de quoi, moi, Louis le XIe, j'ai décidé de donner la cité de Saint-Macaire un privilège durant 3 ans. 3 ans d'abstention de paiement, de taille et de gabelle. 3 années. Maintenant, procédez aux épousailles. Faites silence. Bonnes gens, nous avons proclamé en Sainte Église 3 bans par 3 jours différents entre ces 2 nobles personnes. Et à ce jour, nous présentons le quart d'abandon. Que s'il y a aucun ou aucune qui sache empêchement par quoi l'un ne puisse avoir l'autre par voie de mariage, s'il le dit maintenant, sous peine d'excommuniement. Avant, faites silence les gueux. C'est quoi les gueux? Ils sont incroyables, monseigneur, incroyables. C'est la populace, savez-vous. Avant de prononcer les vœux de fiançailles, les promis vont jurer n'avoir aucun lien de parenté jusqu'au 7e degré. Et ils vont jurer se donner leur foi par libre consentement. Monseigneur, dites « je le jure ». Je le jure. Madame, dites « je le jure ». Je le jure. Plaise à vous de vous agenouiller. Gaston de Foix, dis après moi, Madeleine, je te prends en ma femme et mon épouse. Madeleine, je te prends en ma foi et mon épouse. Et si te fiance de la foi de mon corps. Et si te fiance de la foi de mon corps. De la foi de mon corps. Que je te porterai. Que je te porterai. Foi et loyauté. Foi et loyauté. De mon corps et de mes biens. De mon corps et de mes biens. Et si te garderai, et si te garderai, saine ou malade, saine ou malade, ou en quelque état qu'il plaira à notre Seigneur que tu sois, en quelque état que tu sois, faites silence, ou en quelque état, en quelque état qu'il plaira à notre Seigneur que tu sois, ne pour pire, ne pour meilleur, ne pour pire, ne pour meilleur, je te changerai jusqu'à la fin, je te changerai jusqu'à la fin. Bien, monseigneur. Madeleine, dis après moi.
Gaston, je te prends en mon homme et mon époux. Gaston, je te prends en mon homme et mon époux. Et si te fiance de la foi de mon corps. Madame, répétez après moi. Et si te fiance de la foi de mon corps et de mes biens, que je te porterai foi et loyauté. Et si te garderai sain ou malade, ou en quelque état qu'il plaira à notre Seigneur que tu sois. Madame, c'est facile. Ne pour pire, ne pour meilleur. Je te changerai jusqu'à la fin. Prenez-vous la main d'Exte. Mon Seigneur, la d'Exte. Mesdames les couronnes. Je vais fumer ma belle montrement pour toi ici. Il dormira. Je bénis l'anneau et je bénis les 13 ans, les 13 pièces du mariage. Monseigneur, je vous donne cet anneau. Monseigneur, vous allez passer cet anneau tout d'abord sur le pouce, puis sur l'index, puis sur le majeur et enfin à l'annulaire de votre promise en disant après moi. In nomine Patris. In nomine Patris. Et Filii. Et Filii. Et Spiritus Sancti. Et Spiritus Sancti. Amen. Par cet anneau, je te prends à épouse. Amen. Par cet anneau, je te prends à épouse. Monseigneur, sur les 13 ans, les 13 pièces de mariage, je vais vous en bailler 12 que vous allez donner à madame en 10 ans après moi. Avec ces 12 pièces. Avec ces 12. Je t'engage ma foi au nom des 12 apôtres. Je t'engage ma foi au nom des 12 apôtres. Venez, Monseigneur. Et avec cette 13e pièce. Et avec cette 13e pièce. Je te surengage. Je te surengage. Au nom de Jésus et de toute la Trinité. Au nom de Jésus et de toute la Trinité. Et avec la présente charte. Et avec la présente charte. Je te confirme tout. Je confirme tout. Et je te baille ton douaire. Et je te baille ton douaire. Et je te confie mes biens. Je te confie mes biens. Pour que tu fasses le bien pour moi et pour les âmes de nos parents. Pour que tu fasses le bien pour les. Pour moi. Pour moi et les biens. Et pour les âmes de nos parents. Pour les âmes de nos parents. Madame, dites, et moi, Gaston, je te reçois. Ego coniungo vos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Monseigneur, madame, vous êtes mariés devant Dieu, l'Église et Monseigneur le Roi. Applaudissez nos amis. Viva! À présent, le cortège royal va se reformer. Merci. Mais je vous annonce un grand concert dans quelques instants au Lévis qui joue contre ce cloître. Et vous êtes tous les bienvenus. Encore une fois, acclamez notre beau roi Louis. Bouchez les oreilles des jeunes enfants. Venez, 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 venez
fête médiévale. Nous faisons une reconstitution, bon, médiévale évidemment comme ça dans l'entend. Et tout ça c'est dans le cadre de l'itinérance dans la vallée du Drou. Donc cette itinérance est partie au début août, au sommet de la vallée du Drou, c'est-à-dire du côté de Montpensier, Montflanquin, Duras, Aimé, etc. Et elle est descendue petit à petit, tous les week-ends. La semaine dernière, c'était Sauveterre et Castrum-des-Pommiers. Et Saint-Macaire, c'est le final, où c'est là qu'il y a les... Nous avons trouvé un fil rouge, les épousailles de la sœur de Louis Rose, qui ont eu lieu à Saint-Macaire en 1461. Donc ça nous fait notre fil conducteur des festivités. Et depuis deux jours, là, nous festoyons. Alors bon, ça se perpétue tous les ans. Et nous avons de plus en plus de monde et de plus en plus de monde costumé. Et c'est tant mieux, ça veut dire que c'est une fête qui plaît et qui durera ce que ça durera. Mais enfin, espérons que ça dure encore des années. Princesse Chevalière. Je suis son écuyère en quelque sorte, je pense. Quelque chose comme ça. L'ambiance médiévale, les ateliers. Et voilà, c'est un milieu dans lequel on se sent bien, qu'on aime bien se déguiser, s'amuser. Parce que j'aime bien l'ambiance, c'est que c'est sympa. C'est bien, c'est médiéval. Il y a plein de trucs. Ben, je préférais être habillée comme ça tous les jours, ce serait plus sympa, ce serait plus rigolo. Voilà. C'est un week-end donc. Bon, ce qui nous plaît, c'est que bon, on est déjà habitants de Saint-Macaire. Je lui dis qu'est-ce que tu veux. Donc ça fait partie de tout un de tout, une bière, je l'amène une bière. De tout un programme en fait qui est en place depuis au mois de mai à Saint-Macaire. Ça peut être toute la fête de la musique. Et en fait, c'est un cheminement qui se clôture avec la fête médiévale. Et c'est en fait le cadre de Saint-Macaire s'y prête bien. Et c'est ce qui est intéressant pour nous de pouvoir vivre un petit peu ces journées et en profiter aussi en même temps de tout le monde. Et là, ce sont que des bénévoles, en fait, qui font ça. En fait, toute cette fête est organisée uniquement par des bénévoles. Sauf les artistes qui, eux, sont des professionnels. Mais en fait, les bénévoles... toutes les fêtes de Saint-Macaire sont basées sur du bénévolat, en fait. Nous, on chantait, on fait partie d'un groupe choral et on chantait. Donc, on s'est déguisé pour être dans le ton. Vous avez chanté quoi ce soir, en fait? Est-ce que vous avez adapté votre... Oui, votre... tout à fait. On a travaillé exprès pour pouvoir participer. C'est la charmeuse de serpent, n'est-ce pas? Sur le résultat, je pense que c'était parfait. Jusqu'à présent, on est satisfait. Si tu viens de me filmer avec notre évêque qui nous a organisé la scène du mariage, je pense que c'était super. Donc le public était présent, donc on va continuer en beauté ce soir avec un magnifique feu. Un spectacle tout en feu, tout en feu et tout en lumière. Voilà. Vous êtes qui? Moi je suis un notable. Invité pour les épousailles. J'ai traversé toute la France. Et me voilà. Vous avez d'où là? J'arrive de l'Anjou. Je suis un proche parent du duc d'Anjou. C'est vous? Un proche parent du duc d'Anjou? Tout à fait, sire. Mais sire. Vous logez chez qui là? Je loge dans cet hôtel là. Dans l'hôtel du. Je ne vais pas dire une seigneur, mais je loge dans un hôtel particulier. Et nous allons faire une grande ripaille encore ce soir auprès de ceux qui ont fait célébrer leurs noces en compagnie du sire Louis XI. Louis XI de son... venu spécialement pour les épousailles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces fêtes? Attendez, mais vous êtes qui, vous? En mangeant d'un grand jambon, à ce flacon faisons la guerre.
Ça a chauffé là. Faut un peu d'énergie là. Je me sers, c'est pas mal. Wouh! Allez!
T'as le choix entre le bûcher ou je te donne à mes gardes ce soir. Et ils sont 6. Le bûcher, mon fils. On recommence. Et je te confie mes biens. Pour que tu fasses le bien pour moi et pour les âmes de nos parents.
Jacouille, est-il à ton plaisir de prendre à femme et épouse la Galice présente et lui être bon et loyal baron ainsi que Sainte Mère Église de Rome le confirme que Dieu l'ordonne. Oui, t'as Magali, est-il de ton plaisir de prendre à époux Jacouille ici présente, lui être bonne et loyale compagne, ainsi que Dieu l'ordonne et Sainte Mère Église de Rome le confirme? Oui, t'as Bon, moi c'est clair ça.